Crazy Score Final Fantasy VII Reunion. Bankai. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une découverte d'un jeu Final Fantasy VII Réunion, sorti sur PS5, PS4, quelques supports. J'espère que ça va vous plaire. On n'oublie pas de liker, on n'oublie pas de s'abonner. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à me faire un petit retour. Allez, prenez soin de vous, salut! Entendez-vous souvent des musiques qui vous apaisent? Eh bien aujourd'hui, ça va être grâce à Crisis Core Final Fantasy VII Réunion, qui est un préquel à Final Fantasy. On va découvrir le début de l'histoire. Si au cas où vous voulez vraiment que je poursuive cette histoire-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on verra en fonction de vos retours si je vous fais quelques épisodes sur le jeu. Nouvelle partie, évidemment, je vais faire les doublages en japonais parce que pour moi le japonais c'est une langue qui est incroyable et dans les jeux le japonais c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. On va jouer en normal, c'est parti. Shinra Tensei. Les Final Fantasy, connus pour leur cinématique, pour leur musique exceptionnelle et leur histoire incroyable, et nous voici devant la Shinra. Les... Mince, qu'on appelle ça? Pas les projecteurs Mako, mais c'est un truc avec Mako. Crisis Core Final Fantasy VII Réunion. Let's go! Exactement le même début que dans Final Fantasy VII. Les réacteurs Mako. Yokai! Il est en forme, Zack. Il est en forme, notre Zakune. Ah, on se fait attaquer. Incroyable le personnage. Il est tellement agile, c'est incroyable. C'est un BG, ouais. On n'incarne pas n'importe qui, moi je vous le dis. Arrive au niveau du gameplay. Terminus! Oh yeah! Allez, Zakouille, c'est parti, ma couille! Ah, fameuse musique très connue de Final Fantasy. Secteur 1. Quai de la station.
exactement le même début que dans Final Fantasy VII. Kotira Zax. Zax, junchou ka? Anjir, dou natteru nda? Shinda no heishi ga teki da nante. Yatsura wa gisou shita utai hei da. Sa, tsugi wa ue no hiroba e mukae. Hachiban gai no hou da ne. Ah. Da, sore ni wa mazu eki no toppa ga hitsuyou da. Toppa datte? Les premiers ennemis, on va apprendre un petit peu le mode de combat didacticiel. Ah putain, ils savent pas viser la vache. Le mec il bouge pas, ils savent même pas tirer les gars. Et t'appelles ça des soldats toi. Putain, on a un cure-dent ouais. Activation du mode de combat. Alors attention. Alors tout est en temps réel si je dis pas de bêtises. Et pour vous situer un petit peu le jeu, c'est un jeu qui est sorti sur PSP si je dis pas de bêtises il y a à peu près 15 ans. Qu'ils ont refait un petit peu au goût du jour. Bon, ça a un petit peu vieilli quand même. Ils l'ont refait quasiment entièrement. Mais bon, on va voir un petit peu comment ça joue. Attaquer avec carré, parer avec R1 et esquiver avec rond. Allez, on va tester un peu ça. On tape. J'ai oublié la moitié des touches. Allez, combat en temps réel. Là, je peux me protéger. Je ne me prends pas de dégâts. Vous pouvez utiliser les matériaux équipés en appuyant simultanément sur L1 et une autre touche, ok? Les sorts consomment des points de magie, tandis que les compétences consomment des points d'action. Premier matéria, deuxième matéria, rond, X, ok, bon, on va se faire avec le temps. Ok, attaque de feu. Attaque foudre. Attaque glace. Attaque vent, cyclone, ok. Qu'est-ce qu'il me reste que j'ai pas testé? Allez, hop. Affrontement terminé. Ok, c'est assez fluide au niveau du gameplay. Yo-kai. Alors il paraît que le personnage de Zack est assez intéressant, donc j'ai hâte de voir un petit peu, parce que je le connais quasiment pas. Les rues de Midgard. Donc, c'est un jeu je crois qui va être très couloir, et avec à chaque fois des combats en avançant. Directement un behemoth. Oh putain, ça rigole pas. Oh, ça va chier. Oh, lui, il aime pas quoi? Il aime pas la glace? Direct, ouais, ça commence. Mode de combat, c'est quoi ce truc là? Alors, les roues de l'onde cérébrale numérique se trouvant dans le coin supérieur gauche de l'écran, elles permettent d'aligner des images et des chiffres afin d'entraîner divers effets pendant le combat. Leur rotation et leur arrêt s'effectuent automatiquement et ceci consomme des PS. Les types d'images pouvant s'y afficher augmentent au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, ok? Si les images identiques s'alignent, une transcendance se déclenche et la technique de transcendance est mise en réserve, ok? Donc c'est pour faire des grosses attaques de malades. Vous pouvez parer les attaques ennemies avec R1 ou les esquiver avec X, ok? Très bien. On esquive. Oh, je me suis pris un coup. Pendant le combat, vous pouvez utiliser une potion ou d'autres objets en appuyant sur rond. Ok. Donc là, éther, potion, soma. On va rester sur potion. On se protège. Et hop, on reste pas. Oh là, on reste pas trop près. Qu'est-ce qu'il aime pas lui? Il aime pas la glace à mon avis. Non, il s'en fout complètement. Le feu, non, c'est pas très efficace. La foudre, pas très efficace non plus. Alors, même si l'alignement des images de l'océan n'atteint pas le seuil de transcendance, certaines combinaisons des chiffres peuvent vous octroyer invincibilité ou d'autres effets bénéfiques. Alors, ok, donc ça fait 777.
Oula, il y a plein de trucs différents. Invincibilité, coup critique, invulnérabilité. Ouais, en fait, ça donne des petits bonus en combat. Si vous obtenez deux fois ou plus le même chiffre 1 à 6, lors d'un seuil de transcendance, toute matériel disposée dans l'emplacement d'équipement du chiffre correspondant monte en niveau. La matériel augmente d'un niveau si vous obtenez une paire de deux niveaux, si vous obtenez un triplé. Il y a beaucoup de choses, ouais, en début de jeu, il y a vraiment énormément de choses à retenir. Je me suis pris une claquette là. Allez, on va tester juste comme ça la potion, très bien. Ah, ça y est, transcendance. J'ai 3 images. 3, 5, 3. Lorsque 3 images identiques s'alignent, une transcendance se déclenche et la technique de transcendance correspondant aux images est mise en réserve. Vous pouvez ensuite l'activer au moment qui vous convient, mais notez qu'elle disparaîtra à la fin du combat. Ok, donc autant l'activer quand on peut en tout cas. Activez la technique de transcendance mode normal. Allez, c'est parti. On active. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Enchaînement, ta 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 ta. Ok, super, c'est pas mal. Et encore, on est qu'au début. Allez, on en fait encore une. L'octo-frappe niveau 2. Ah, c'est exactement la même chose. Mais ça défonce quand même. Fait, hein. Celui qui était sur PC, j'ai jamais fait. Et voilà, le Behemoth il est battu. Affrontement terminé. Oula. On connaît cette épée. On connaît cette épée. Sephiroth normalement, je pense. Et évidemment. Personnage emblématique de Final Fantasy VII. Ah, il y a des cinématiques qui sont bien faites et d'autres un peu moins bien faites quand même. Walida. Walida. Ah, on est passé sur une plus belle cinématique. Notre maître. Angil. Ok, il s'appelle Angil. Un peu bizarre à prononcer. Alors, c'est notre ennemi à nous aussi, lui. Qu'est-ce qu'il y a ? Il lui demande son numéro, il va le prendre en photo. Ah, c'est une phase d'entraînement, ok. Ah, je m'y attendais pas. Je ne le savais pas. J'ai été bon, non ? ザッツ夢を持て。ああ。英雄になりたければ夢を持つんだ。そして誇りも。うん。Tu me dis ça après la fin de l'entraînement quoi. Tu peux pas me dire ça autour d'un café tranquillement là ? Avoir des rêves. Mais tout le monde a des rêves, bordel. Crisis Core, Final Fantasy VII Réunion. Eh ben voilà, Behemoth battu, le jeu est terminé.
étage du soldat, en plein entraînement. ファーストの一人がいなくなったんだ。ウータイの現場から2ndと佐渡。ごっそり連れてさ。目的動機何も分かってないらしい。ソルジャーたちが失踪したせいで、お前の訓練も中止になったんだぜ。おっと。ファーストさまだ。ザックス、仕事だ。おお、ありがたい。久々の実戦任務だな。あ、お前が主役だ。やった。 Allez, chuchot là, je me suis entraîné, chuchot là. Va voir le directeur Lazare, il t'en dira plus. Pourquoi il y a des temps de chargement, on est sur PS5 là, pour un jeu de PSP. Salle de briefing. Zax. Kouして hanasu no wa hajimete datta ne. Soldier toukatsu no Lazare da. Yoroshiku. Sassoku da ga. Alors, soldat première classe, Genesis. Alors, c'est lui qui s'est barré. ウータイでの作戦行動中に行方不明となった。何か知っているかな？全然。我々の作戦は中断したままだ。君に行ってもらうことにする。って、ウータイ？ああ。この長すぎた戦争を終わらせる。 お前をファーストに推薦しておいた。ああ、on va prendre du grade。準備が整い次第すぐに出発だ。Il passe première place mais il est un petit peu indiscipliné quand même hein。L'opération débutera dès notre arrivée au Wutai。Adresse-toi à lui si tu as des questions sur l'émission ou le combat en général。OK。 Alors, tout d'abord, discutons des combats. Alors, au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire, vous recevrez des messages de plusieurs personnes, ok? Consultez-les à partir de l'option messagerie du menu principal. Lorsque vous avez des messages non lus, vous pouvez accéder à votre messagerie directement en appuyant sur R1. Hors du combat, alors lisez-les diligemment. En outre, vous pouvez consulter les commandes ou les astuces à partir de la messagerie, ok? Alors, messagerie, ça raconte quoi, messagerie? Tutoriel, donc on a quoi? Les commandes, ils remettent exactement la même chose. Alors, ça dit quoi? Parler. Celle-ci sera rangée s'il s'agit d'un événement secondaire, ok? Les points de vie, points de magie, points d'action, points de soldat, force, constitution, magie. Donc du grand classique dans les Final Fantasy. Utiliser d'objets pour récupérer des PV, des PM, blablabla, ok. Et la messagerie, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Tutoriel des combats. Ok. Les altérations, positives ou négatives, ok. Feu, glace, foudre. Ok. Boutique. On va regarder un petit peu le menu. Alors, tous les objets. Ok, bon, j'ai pas grand-chose. Équipement. Oula! S'équiper de matériel octroie des effets variés. Celles-ci permettent de lancer des sorts de magie, d'utiliser des compétences ou encore d'augmenter vos PV ou d'autres caractéristiques. Chaque matériel possède une valeur de caractéristique déterminée. Par exemple, mag plus 3. Alors, tâchez de vous équiper de celles qui offrent les meilleurs effets. Donc, pour devenir plus badass... Les effets et la valeur de la caractéristique de certains matérias augmentent lorsque leur niveau augmente. Le niveau du matériel correspond au nombre d'étoiles. Si les ennemis semblent coriaces, pensez à utiliser des matérias mieux adaptés à la situation. La puissance approximative d'une matéria est indiquée par une épée 20 et un nombre sous son icône. Donc
là, j'ai... Ah ok, donc ça c'est avec L1. Enfin avec L1 c'est quand on fait en combat. Donc 9, 12, 7, assaut cyclone, ok. Donc ça c'est des points d'action, il fait un enchaînement. Et là en fait je choisis si je veux mettre sur X, sur rond, triangle, carré, ok. Et on en récupérera d'autres par la suite. Ah, je peux même encore en équiper plus. On a 5 emplacements. Ok. Ah, on peut directement appuyer sur R3 pour optimiser en fonction de l'attaque physique, l'attaque magique, la défense. Ok. Matériel. J'ai aussi un matériel de soins. Ça pourrait être utile également. Utiliser la magie pour soigner plutôt que forcément des potions. Alors, c'est quoi ça? OCN, l'option OCN. Il y a trop de trucs. L'option OCN du menu principal permet de consulter la progression de chaque élément, le nombre de fois que vous avez déclenché une technique de transcendance, le nombre de fois que vous avez atteint le seuil de transcendance et la liste des techniques de transcendance. La progression augmente lorsqu'une technique de transcendance est déclenchée et les souvenirs de Zach s'affichent. Ok, Sephiroth, Angel, technique, infliger des dégâts à un ennemi, octofrappe, assaut explosif. Ok, donc il y a énormément de... Il y a quand même pas mal de techniques, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de techniques. Messagerie, boutique, configuration... Allez, on a fait le tour du menu. Alors, lui, on va lui parler. Ouais, j'ai lu tes messages. Oui, j'ai tout lu, mon gars. Ouais, ça va être compliqué, j'ai pas tout retenu, j'avoue. Arrête de mentir, Zach. On peut les relire quand on veut. Ok, on doit récupérer d'autres matériaux plus puissants pour devenir plus fort. Appuyez sur X en face du registre pour pouvoir ensuite accepter des missions. Une icône s'affiche lorsque vous pouvez examiner un élément avec X. Okay. Allez, montre-moi. Bon, on a compris, il fallait juste appuyer sur X là-bas. Alors, une boussole pointant dans la direction de votre destination s'affiche en haut de l'écran. Donc, événement principal, ok, en bleu, et en jaune, l'événement secondaire. Parfait. Donc, le bleu, c'est du principal. Donc, on est obligé de passer par là. Allez, on s'enregistre. Inscription acceptée. Allez, on veut faire une petite mission. Vous pouvez sauvegarder votre progression à partir d'un point de sauvegarde et récupérer. On récupère la magie, les points de vie, on récupère tout parfait. De plus, vous ne pouvez lancer une mission qu'à partir d'un point de sauvegarde. Ah ouais, c'est bizarre ça, comme lancement de mission. Donc on vient ici. Mission, vous pouvez lancer une mission depuis le menu principal à partir d'un point de sauvegarde. Donc là on va dans mission, la compagnie Shinola, mission d'entraînement, 0 sur 1. Allez, on lance la mission, on va faire quelques missions. Début de la mission, let's go! C'est parti! Ah putain, c'est pas fini bordel! La jauge de transcendance possède 5 niveaux différents. Plus le niveau de la jauge est élevé, plus il est facile d'atteindre le seuil de transcendance. Ok, ça roule. Donc là, on est en mode normal. Son état change selon le déclenchement de techniques de transcendance ou en subissant des attaques déterminées. Niveau de la jauge. Hop, astral, céleste, élevé, normal, faible. Ok, il faut essayer d'augmenter ça pour que ça augmente vite. C'est pas fini! La puissance des compétences comme assaut cyclone augmente lorsqu'elles sont activées après une attaque normale. Ok, plus vous enchaînez d'attaques normales avant de les utiliser, plus leur puissance s'accroîtra, bordel. Alors activez-les efficacement. Et voilà, j'ai déjà fait le ménage. Ah, c'est pas fini. Affrontement terminé. 1 PS, wow, génial. Un élixir, mission accomplie, très bien. Ah, les musiques de Final Fantasy quand tu termines un combat, excellent. Que des bons souvenirs. Ouais,
point de ravitaillement. Alors, qu'est-ce qu'on récupère là-dedans? Vous obtenez un bracelet en bronze. On va l'équiper, hein. Alors, qu'est-ce qu'il veut me parler de la message encore? Vous avez reçu des messages, ok. La petite blague. Ah ah, t'es trop rigolo, toi, mon ami. C'est bien les Japonais, ça. Ils sont choqués. Quand il y a des filles qui te mettent des gros boobs énormes, et là, ils font genre, ils vont être choqués dans un truc quand ils te parlent d'une fille. Alors, Zack peut s'équiper de jusqu'à 6 matérias et 4 accessoires, ok. Le nombre d'emplacements disponibles augmentera en progressant dans l'histoire et en accomplissant des missions, très bien. Vous pouvez accéder aux boutiques à tout moment depuis le menu principal à partir d'un point de sauvegarde. Vous accéderez à d'autres boutiques en obtenant leur adresse internet en tant que récompense de mission ou par d'autres moyens. Alors, boîte de réception, j'ai reçu des messages. Ton premier message. Salut, c'est Kunsel. Maintenant, vous inquiétez pas par la suite, je vais pas tout lire hein, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Salut, c'est Kunsel. Maintenant que ta messagerie est disponible, je vais t'envoyer quelques astuces. Pourquoi? Parce que je suis un type sympa, bien sûr, et que je sais que tu as tendance à tout oublier. Mais va te faire foutre, ouais. Projet de construction de Midgard. Midgard est une ville qui est suspendue à environ 300 mètres au-dessus du sol et reliée à la Terre ferme par train et par autoroute. Utilisant 8 réacteurs Mako total, le numéro 1, blablabla, blablabla. Ta-ta-ta, la construction de da-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 da. Très bien. Allez, on dira qu'on est bon. Allez, on reparle à notre ami Pingil. Est-ce que tu es prêt? Mais à fond que je suis prêt, ouais. Ça y est, je suis devenu première classe à l'instant. Être un héros, c'est mourir par contre. Fais attention, mon cher Zack. Tu n'as peut-être pas vu Naruto. Mont Tremblin, sentier escarpé. Ok, on arrive directement dehors en mission. Ça s'enchaîne. Et voilà, on se fait attaquer directement, même pas le temps, ouais. C'est quoi ces trucs là? Il fait le malin. Il fait trop le malin, ce Zack, bordel. Oh, directement, ça s'enchaîne. Affrontement terminé. Ok, il s'est pas passé grand chose là. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, si vous préférez en japonais ou en américain. Bon, là on a vu que japonais. N'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Non, on n'est pas encore première classe. On était suggéré, il nous a suggéré, mais au final, je sais pas ce que c'est non plus. Là, on peut changer de zone. Non, on n'y a pas accès, c'est rouge, ok. Alors, est-ce qu'il y a une sorte de sprint? Ouais, j'ai l'impression que oui, en appuyant sur le joystick gauche. Ah ouais, ok, les combats apparaissent comme ça directement. Pour fuir un combat, essayez de sortir de l'aire de champ de bataille en courant. Ouais, ok. Donc, on va prendre une seconde d'arrêt. Hey, j'ai plus de technique là, comment ça se passe? On fait quelques combos, les ennemis sont déjà morts quoi. Par contre, il y a un truc que je comprends pas là. Attends, là je comprends vraiment pas. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas... Attends. J'avais pas de matériel, j'avais pas mes techniques. Bon, on verra. On verra si ça revient. Peut-être parce que j'ai changé d'ensemble. Ouais, là c'est bon, c'est revenu. Parfait. Oh là là, ça va trop vite, ça va trop vite. On peut restaurer tous les PV à chaque fois en appuyant sur bas, c'est bizarre. Et ça enchaîne directement avec des cinématiques, bordel.
正式名称バノーラホワイト。一年中好き勝手な季節に身をつける。村の連中は親しみを込めてバカリンゴと呼んでいる。農園のリンゴは食べ放題だった。よく言うよ。立派な泥棒だ。貧しさゆえだ。言い訳だ。しかし、そんな俺にも誇りはあった。地主の家に村で一番大きな木があった。そのリンゴが恐ろしくうまいという評判だったが、俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。親友なら食わせてくれって言えばいいのに。誇りというのは厄介なものだ。で、ファースト昇進とどういう関係が？知っておいて損はない。関係ないんだな。笑い事じゃないぞ。J'ai hâte de voir l'évolution un petit peu du personnage dans sa mentalité en avançant. Alors, on a accès à la carte, ok. Donc on arrive au bout. Réception responsable du soldat. Cher soldat, merci pour vos efforts au quotidien. Comme vous le savez peut-être, plusieurs de nos hommes ont quitté la compagnie de la Shinra. Pense que cela va avoir un impact sur l'efficacité du combat, au combat du soldat. Nous devons saisir cette opportunité pour prouver à quel point notre groupe d'élite est indispensable, même si nos rangs sont réduits. J'espère que vous profitez de cette mission visant à mettre un terme à la guerre contre le Wutai pour prouver ce que nous valons. Ouais, gros, le directeur Lazard. À moins un jeu comme ça où ça enchaîne combat cinématique en mode simple. Des fois, ça peut faire du bien, ça change. C'est pas le plus fun, mais c'est pas grave. On va profiter de l'histoire. Ah. 俺は砦中心部に爆弾を仕掛ける。お前は正面から突入して。で。うわ、putain。putain、il est trop indiscipliné ce mec。任せろ、そういうのは得意だ。まだかよ、ビーダイ。その剣使ってるところ見たことないぞ。まじない専用なんてもったいなくないか？使うと汚れる、かける、すり減る。そっちの方がもったいない。マジで言ってんの？ああ、俺は貧乏症なんだ。笑うところか。Il est radin, copain. Il est radin, capitaine. 作戦開始。La bombe a pété. C'est parti, let's go. Non mais l'autre, il avance, il fait un salto arrière. Non mais le mec, il rigole pas, ouais. Alors, le surplus d'émotion influe sur l'OCN, Angel. Alors, c'est quoi ça? Surplus d'émotion. Au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire, le surplus d'émotion que Zach ressent envers les autres personnages peut parfois influer sur l'OCN. Enfin, ceci signifie que l'image du personnage en question a de plus grandes chances d'atteindre le seuil de transcendance. Ok. Ouh, il y a du monde. Bordel, il y a du monde. Vas-y Zach, c'est parti, montre-leur ce que tu vaux. Activating combat mode. Ah putain, c'est pas fini, qu'est-ce qu'il me raconte encore là? La cible que vous attaquez est choisie automatiquement, mais si vous la verrouillez, vous pouvez changer de cible. Ok, ça marche. Donc, L1 pour... Dès qu'on verrouille, on peut changer de cible comme ça, très bien. Les ennemis sont assez faibles, ils sont pas très réactifs, t'as juste à sauter. Tu t'éloignes un petit peu. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Passer la scène, c'est quoi ce truc là? Qu'est-ce qui vient de s'activer là? Une nouvelle technique peut-être? Non? Ah,
Assaut explosif niveau 4. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire là? Coup de poing, coup de poing. Tiens, je t'enchaîne, enfoiré. Toi aussi. Par contre, le changement de décor, c'est pas ouf quand même. On reste même pas dans le même univers. C'est abusé. Alors que là, il y a de l'herbe partout. C'est un peu cheaté le bordel. Invulnérabilité physique, on peut taper dans le tas. C'est validé. Alors comment on fait pour les niquer eux? Avec de la magie à mon avis. Eux. Ah, ça marche pas. Non, avec de la glace, je peux les avoir. Hop. Et voilà, c'est réglé. Affrontement terminé. Ah ça c'est un peu chiant là, les ennemis aller toucher en hauteur. C'est pas très pratique. Les doigts dans le nez, ouais ma couille. Allez, on rentre sur le territoire ennemi. La couloir, le fort Tremblin. Tremblin, Tremblin. Tremblin, Tremblin, Tremblin. Il faut dans le temps, il s'en fout mais complètement. C'est pas un jeu, on va faire la discrétion, ça je vous le dis. Trois ennemis quoi, ils enclenchent un combat pour trois ennemis, c'est abusé. Allô? Ah, il se la pète un peu trop. Il se la pète un peu trop au début là. De monstres anti-soldats. Oula, c'est quoi ça? Par contre, j'aimerais changer un petit truc. Alors, éliminer le plus de guerriers du Wutai possible en vous infiltrant dans le fort. Le nombre de guerriers vaincus aura une influence sur votre évaluation en tant que soldat. Des guerriers pourraient se cacher au sommet d'une tour, derrière un mur tournant ou ailleurs. Alors, explorez le fort de fond en comble et ne laissez aucun d'eux s'échapper. Zack peut courir hors du combat. Ah, ça on l'avait déjà vu, donc c'est... Ah, on peut aussi avec R2. Ok, pas de problème. C'est parti, me dit-il. Alors, faut trouver plein d'ennemis. Allez, on y va, c'est parti, let's go. Allez, on peut sprinter, il y a des coffres maintenant. Oula, c'est quoi ce truc-là? Faiblesse. Les attaques élémentaires, par exemple, les sorts de magie, sont efficaces contre les ennemis qui possèdent une faiblesse. Lorsqu'un ennemi est verrouillé, l'icône de l'élément de sa faiblesse est affichée près de son nom. Alors, assurez-vous de vous y référer. Eh bon, on va essayer d'en profiter. Il est quoi lui? Il aime pas quoi? J'arrive pas à voir. Qu'est-ce qu'il aime pas? C'est la glace? Ouais, je crois que c'est la glace. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est la glace. Ouais, faiblesse. C'est exactement ça. Ah putain, il est vite. Ah oui, il est mort. One shot, ouais. Ok, ça va. C'est facile à trouver. Le jeu, il a quand même 15 ans, le jeu. Hein. Il a quand même 15 ans. Il y a 15 ans, j'en avais 15. Esquiver, parfait. Esquive parfaite. Ah, j'ai plus de PM. J'ai plus de PM. La glace a augmenté. Je sais quoi. Ah, les animations de combat à chaque fois. Enfin, en combat, franchement, ça va, mais... La sortie des combats, et tout de suite, on réactive les combats. Ça fait des petits temps de... C'est un peu long, on perd du temps pour rien. Affrontement terminé. C'est bon, on a eu tout le monde? Ici Lazardo. Force repérée près des murs tournants, ok. Ah putain, il y en a encore. Putain, fais chier. Ah, le jeu, il se fout vraiment de la gueule du monde. Non, c'est pas trop dur. C'est pas trop dur à trouver. Ah,
ソルジャーは確かに強い。だが、故郷を守るためなら、どんなに強敵であろうとも立ち向かわねばならん。たとえこの命が散ろうとも、部隊の辞書に撤退という文字はない。Moi non plus, ça n'existe pas chez moi. Il s'est barré, mais quel enfoiré ce capitaine! Mais quel enfoiré! Qu'est-ce qu'il a lâché là? Vous obtenez une potion, très bien. Allez, il me reste 3 combats à trouver. On a défoncé tout le monde. Bon, j'ai hâte d'affronter un peu le boss de zone là parce que. Tu peux aller dans la zone centrale. Attends, j'ai encore des trucs à faire. Il me reste encore des choses à faire, excuse-moi. Attends, oh. Moi je fais ma mission complètement. Ouais. Il est malade lui ou quoi? J'ai un coffre en plus là que je dois ramasser, donc un petit éther. Alors qu'est-ce qu'il me reste encore en bas là? Qu'est-ce qu'il me reste au niveau des tours? Je vais aller voir au niveau des tours ce qu'il peut y avoir. Ça m'étonne un petit peu. Ah, ça me fait utiliser une potion par contre. Ah merde, je suis en train de niquer toutes mes potions là. Alors comment ça marche ça? Ah. Il y avait un truc à faire au niveau de la tour. T'as vu ça mon gars? Trop fort. Alors, ramène tes soldats mon gars. Ah, j'ai bouffé mes potions un peu trop rapidement. Va falloir faire attention. Si tu veux mon gars, allez c'est parti. Arrête de parler, viens de battre. J'ai un peu plus de vie là j'ai l'impression. Mais bon, rien de bien méchant. On évite et ça se passe bien. Évolution de la matéria de feu, parfait ça. Putain, on va passer je sais pas combien de temps dans cette zone de brun là, sérieux? Force repérée au niveau de la tour. Par contre cette fois-ci je vais pas me faire avoir en appuyant. Rien de bien méchant. Donc normalement, j'ai terminé toute la zone, donc on peut aller directement au milieu maintenant. Par contre, objet, qu'est-ce que je peux utiliser là? Point d'action. Allez, on va en prendre un. Éther, on va en prendre un. Une petite potion. Et on est bien pour la dernière zone. La musique, elle est pas mal. Elle est quand même... Elle envoie un petit peu. Mais bon, on s'est fait tout le monde. On s'est fait tout le monde, ouais. Bon, par contre, je vais pas faire tout le jeu à 100% comme ça, parce que ça va être un peu... On va s'enlacer un petit peu trop rapidement. Assaut du fort Tremblin, on le fera uniquement si des fois on est un petit peu trop faible par rapport aux ennemis. C'est bon, on peut y aller? Allez, c'est parti. Ça y ressemble, mon gars. T'es trop intelligent, mon gars. Se rendre à l'arène. Alors, hop. Donc, l'arène, c'est juste en dessous. Et ça me redonne tout normalement, si je dis pas de bêtises. Normalement, je suis à fond. On va ramasser les coffres avant. On a bien de l'autre côté aussi, évidemment. À mon avis, il doit y avoir aussi des ennemis ici. Évidemment, c'était logique. Et une boucle d'oreille. On va vérifier si ça fait comme tout à l'heure. Ouais, très important de parer, j'ai l'impression, parce que sinon, si on se prend toujours les dégâts à fond, ça va pas le faire. Et je manque déjà un peu de dégâts, j'ai l'impression. Je vais enchaîner. Alors, messagerie, qu'est-ce qu'on a de beau? Situation du Wutai. Nous avons reçu des rapports du département de la sécurité publique et du soldat sur la guerre contre le Wutai. Cela fait des années que nous négocions avec le Wutai à propos de l'extraction de Mako dans leur région. Mais ceci n'a fait qu'aggraver la situation. Afin de sortir de l'impasse, nous avons décidé de reprendre les actions militaires. Une force d'intervention spéciale réduite au strict minimum a été mobilisée pour que ces opérations restent les plus discrètes possibles. Ok, en mode 007 quoi. Alors, hop, objet. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah si, c'est ça.
Ah non, accessoire, c'est là en bas. Ah, j'ai pas équipé. Ok, regardez, on a les matériaux qui sont en haut. Et là, au niveau des accessoires, on peut en avoir 4. Pour l'instant, j'en ai que 2. Et en fait, je l'ai pas équipé. Donc ça fait quoi? Augmente les PV de 10%. On va le mettre, évidemment. Et là, boucle d'oreille augmente la magie de 5. Et ben voilà, là, on est équipé, là. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ben voilà, une bonne chose de faite. Alors ici, on a quoi avec le dragon? Un boss? Une matéria. Une matéria. Le Léviathan. Ah, c'est bien protégé, le Léviathan. Est-ce que je vais avoir une invocation directement? Je crois que les réacteurs Mako, si je dis pas de bêtises, je crois que ça rend les gens malades. Pour l'instant, au final, c'est un peu nous les méchants, c'est nous qui faisons le mal, c'est la Shinra. Viens combattre, mon ami, c'est pas grave. Exactement, on en finit, mon gars. Hikuzo! Activating combat mode. Ah, il y a un fini, donc on peut en profiter là, on y va. Oh la vache, je me fais déchirer, ils sont chiants là. Voilà. Voilà, affrontement terminé. Oh, j'ai galéré là. J'ai quand même bien galéré. Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? C'est quoi ce bordel? T'es qui, toi? Ah, si, on la connaît, elle. On l'a déjà vue, elle. C'est plus son nom, mais elle est connue. Elle est quand même beaucoup plus jeune, donc ça se passe quand même quelques années avant le Final Fantasy VII. Elle est énervée, la gamine. Mais quel blagueur, ce Zack, bordel! Elle court comme un shinobi, ouais. Allez au travail, t'as raison. Allez au boulot, mon gars. Est-ce que je suis à fond? Est-ce qu'il m'a remis à fond? Ouais, c'est bon, j'ai tout à fond, parfait. Le fort. Alors, l'arène. Qu'est-ce qui nous attend dans l'arène? Le boss. The King of Fighters. Qu'est-ce que le jeu va nous apprendre encore? Ouh la vache! Ouh, un démon!
Deux démons, bordel. Ouh la vache. Ça va être chaud. Ça va être chaud là. Attention, ça va être peut-être un peu plus dur. Ah, les monstres anti-soldats, ils sont là. Activation du mode combat. Alors, certains ennemis utilisent des compétences spéciales. Lorsqu'ils s'apprêtent à utiliser celle-ci, une jauge de puissance s'affiche à l'écran. Attaquer l'ennemi réduit cette jauge et permet de diminuer la puissance de la compétence. Ok. En outre, si vous arrivez à briser la jauge de la... en la vidant à temps, vous pouvez interrompre l'utilisation de la compétence. Ok. Allez, on se dépêche. Allez, allez, hop. Voilà. Compétence annulée. Je me fais courser. Et je vois s'il y en a un qui réactive un truc ou pas. Pour l'instant, ils activent rien du tout. On esquive. Je l'achève lui. Ah vite, on se dépêche. Allez, on le laisse pas. Allez, on tape. Voilà, critique parfait. Il a pas le temps. On lui laisse pas le temps, nous. Alors, tout le monde a compris le truc, ça se passe bien. Ça se passe très bien. On touche à peine le copain. On a bien voulu faire une technique spéciale, mais pour l'instant ça s'enclenche pas. C'est tellement aléatoire. Et voilà, c'est bon. Les monstres anti-soldats ont été battus. Alors Zach, qu'est-ce que t'en penses? Efficace, non? Soldier Class Second, Zach. Il se la pète tout le temps, ouais. Il se respecte pas, lui. L'autre, il parle à son directeur. Ah, c'est pas fini. Il y en a encore un, bordel. Allez. Oula. Oh, lui, il est notre arme. Qu'est-ce qu'il va nous claquer? Ah ok, ça se fait tout seul. Ok, lui met un coup d'épée, il est mort, tranquille. Moi je galère, toutes les deux. Ah, j'ai rien dit. C'est pas fini. Ah oui, le copain il arrive. Soldat de première classe. Alors, là il s'est servi de son arme. お前の方が大切だ。ほんの少しな。サンキュー。サンキュー。 Allez, on se retrouve dans la forêt. すまない。 待たせて しまったね。 現場は不慣れなもので。わざわざ来なくてもいいだろうに。長い戦争を終結に導く作戦だ。ぜひこの目で見ておきたかった。
ソルジャークラスセカンドザックス。はっ！タンブリン取りで攻略任務ご苦労だったね。君の働きはしっかり見ていたよ。はっきり言って君の評価だが、君は恐ろしい男だ。たった一人で敵部隊を全滅させてしまったんだね。Alors, c'est validé ou pas ? Mésamashii seichou da. Utai sensou ni okeru kimi no katsuyaku wa kousei ni katari tsugareru darou. Eiyū ni naru toyu kimi no yume, mou kanaete shimatta ne. Lazardo toukazu, sore wa iisugi da. Zacks ni wa mada mada katsuyaku shite morawanakereba. Sore mo sou da na. Zacks, kore kara mo kitai shite iru yo. Alors, bracelet de feu, ok. Ça, ils sont où ? Sephiroth m'a matté. Sephiroth ? Ano, Eiyū no ? Suge ! Eiyū ni aeru no ka ? Et c'est pas encore terminé, bordel ! Mais on se fait attaquer tout le temps dans le jeu ! Et les autres, ils font quoi ? Ils se sont barrés, ouais. Alors, le surplus d'émotion influe sur l'océan. Là, on a Sephiroth en plus, très bien. Affrontement terminé, c'est bon, ils sont battus. Zax, koi. Zax, Toukatsu au anzen na basho e. Ah, c'est lui le directeur. J'ai même pas fait gaffe. Zax de jubu. Sa, ike. Toukatsu, tsuite kite. Ok, j'avais même pas calculé que c'était lui le directeur, je pensais que c'était un autre mec, on avait pas encore rencontré. Lazard, Toukatsu, gobuji de nani yori desu. Zax, watashi wa mou daijoubu da. Anjiru no ouyen wo. Wakatteru tte. Il est quand même bien charismatique, je trouve, le personnage principal de Zack. Franchement, son character design, il est franchement super bien réalisé, je trouve. Allez, on va s'arrêter là. On ira sauver notre capitaine dans le prochain épisode. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires si vous voulez voir la suite directement sur YouTube. On n'oublie pas de liker, on n'oublie pas de s'abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy VII Crisis Core Réunion. Ouais, gros. Allez, sur ce... Prenez soin de vous et à bientôt, salut !